William Ruto, président pays Kenya, rentré dans le pays d'Haïti hier, qui était 21 septembre 2024. Là. Zamim, Frem, Sem, captant de nous, cap gade nous jodi. M'a dit nous effectivement, Kenya ça son complot que lié pour déchapiller tout sa pays d'Haïti gagne comme richesse. Et puis devant, elle a pris le plus grave pour nous. Il n'y a pas de pièce plan pour éradiquer gang dans le pays d'Haïti. Un vrai objectif là, c'est venir exploiter ça qui gagne dans le sous-sol pays d'Haïti. Je vais l'expliquer. Je ne jamais saisi comme ça. Et c'est encore une fois, je vais profiter de un gros coup de chapeau pour le chef révolution qui se commande à Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, tu as raison, mon commandant. Et vous êtes grand leader. Jodi a pays a gagné dans le secteur politique là. Et pas dans la classe politique là, non? Non, politique de pays d'Haïti. Yon grand monde que Haïti a fait confiance. Sur le plan politique pour le moment. Moun ki, sur le terrain. Guy Philippe. Monsieur est loin. Guy Philippe est très, très, très loin. Et m'a dit nous ça encore une fois. Moun ki te wè loin comme ça et que monsieur système yo qui extrêmement intelligent tout qui wè que monsieur wè loin et côté monsieur ap mené pays a, li pa bon pou yo, yo rive assassiné le 6 pour rive 7 juillet 2021. Moi prétend moi prend sans pour m'attendre de médias dominicains. Pendant que chaque petit sac a passé dans le pays d'Haïti, tout média dominicain est en prend le relais parce que c'est bagaille sale. Parce que vous avez des haïtiens qui travaillent avec vous. Est-ce que quelqu'un qui parle de ça? Vous avez des haïtiens qui travaillent pour les médias dominicains, qui baillent dominicains tout bagaille sale qui a passé dans le pays d'Haïti. Image qui puis sale, yo, prend yo, vous et la Dominicani. Et la poste dans les médias. Avant hier, police indiario, annoncé que gouvernement haïtien, cap dirigé par Dr. Gary Conille, comment le premier ministre de facto, pour annoncer que gouvernement commence à mettre son CEP sous pied, ou qu'on qui image li prend? Li prend image une zone qui pis sale en bas la ville, fatra la bout de l'eau senti, route crasée, zone abandonnée, li n'a qui prend image là, et puis l'écrit ça la pécrire pour le faire annonce là, mais image qu'il met en balle. Mais est-ce que nous devons critiquer l'incendiario? Non, parce que nous avons une image là vraie, elle existait vraiment. Mais qui est-ce? C'est des haïtiens qui travaillent avec eux qui voient l'image là-bas. Il y a haïtiens qui ont parlé fort dans les gros médias dans le pays d'Haïti. Ils travaillent pour les médias dominicains. Parce que yo tout, yo c'est dominicain. Suivez mon regard. On avance. Moi, prétends pour me tendre des médias dominicains. Oh! Ou haïtiens qui vivent en Dominicani? Si ces médias dominicains l'attendent pour faire nouvelle sous affaire insécurité dans le pays d'Haïti, avec arrivée force, police Kenya sa ou la, moi comme vous voulez, oui, Haïtien sa ka nan ke soti, Santo Domingo, li pour machine, mette Elias Pinyal pour machine, li dit le pral kwa de bouquet, de kwa de bouquet, elle a dit comme ça que mbral la sem, mbral di miso, oui, à pied sous motocyclette à l'aise, oui, tellement. Dans les médias dominicains, ils font promotion côté que chef police Kenya, je dis clairement que c'est une zone que les troupes ont débloqué en Haïti. Je ne peux jamais saisir comme ça. Chef police Kenya, qui c'est Otunge, qui vient manger dans le pays d'Haïti, ils ont annoncé que ils ont débloqué plusieurs quartiers qui étaient contrôlés par des gangs. Je ne peux jamais saisir comme ça. Ça plus que grave. Je dis que plusieurs zones qui étaient sous contrôle bandit que on prend. Il y a plusieurs côtés qui étaient commissariat sous contrôle bandit que on récupéré. Ça veut dire que Kenya a récupéré des territoires perdus. Médias dominicains. Et dans médias la caillou, yo parlé de ça en pile. Tout gros médias occidentaux yo parlé de ça. Ça veut dire que yo montre que Kenya gombaré que la brigade en Haïti pendant que yo gen bon gens information. Haïtien frère Sem, tendez bien messieurs dames. Est-ce que nous comprenons dans qui ça que nous prenons là? Est-ce que nous comprenons dans qui côté nous y aller là?
Est-ce que nous comprenons ce qui a passé nous là? Aïe, aïe, aïe. Grâce à la miséricorde. Nous m'a dit pour parler. Nous m'a parler. Parce que nous avons des informations nous-mêmes. Eh bien, Gary Koni prend avion dans le jour anniversaire naissance Papa Liberté, qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Gary Koni prend avion rentrer New York. Gary Koni prend avion, il rentre New York. Pour l'aller, rencontrer avec moun pour l'encontrer dans New York, et puis l'abge pour prendre la parole dans Nations Unies 27 septembre kap vin la. Dans nou Haïti. L'abge pour prendre la parole 27 septembre kap vin la. Dans nou Haïti. Gary Koni. Ça, Gary Koni pral di. Li pral di exactement ça n'est Kenya yo ap di nan média dominicain lobby kap fèt nan média international yo comme quoi que Kenya go baye ke la régler. Et mais William Ruto sorti Kenya. Li rentre directement en Haïti et puis pour aller New York. C'est New York monsieur pral aller. C'est dans Nations Unies pral aller. Mais qui s'en connaît? Il va gagner un et la Kali, il va parler de la Kali, non? Mais il va parler de volonté réelle que le gagnant pour les deux peuples. Alors, et frère haïtien Lio, qui en difficulté, je dis, il commence à libérer, on sait des quartiers qui étaient contrôlés par des bandits. Et bien, il passe en Haïti pour commencer à mettre ça dans le discours que le bral gagner sous tribune des Nations Unies dans New York. Et puis, nous-mêmes, comme peuple, kidnapping a fait. Kidnapping a été baissé, mais qu'on y a trafic d'organes a augmenté. Ça veut dire que ça, ils continuent à trafiquer nous passer par là. Nous prenons un complot. Je dis pas qu'il y a pour une sortie. Et me dit, m'a prédit encore. Pas qu'il y a l'autre possibilité. Guy Philippe peut vle ou pas. Comment Guy Philippe peut vle ou pas vle. Moi, prends bon Dieu dans celle-là comme témoin. Pas qu'il y a moyen pour que vous sortiez en Haïti. Pour que vous sortiez payé dans sa que vous là. Sans qu'on pas passer par un système, par un comme si on pratique extrêmement violent. Côté que. Ou pas chercher qu'on est. Qui ça fait que Haïti t'as fonctionné bien sous régime François Duvalier pour venir joindre Jean-Claude Duvalier. Qui ça fait payer? T'as gagné la paix, t'as gagné stabilité, t'as gagné sécurité. Ça fait ça. Et vous parlez contre le bout de tout. Si payer t'as gagné sécurité dans façon ça, eh bien justement, ben mal. Gardez qui ça fait que payer arrivé là. Eh bien à partir de maintenant, si payer capable arriver dans niveau arrivé là, où est son complot qui n'a gagné fait pour finir avec payer ou pas l'autre choix? C'est utiliser. Pratique que nous avons utilisé pour détruire les pays, et pour nous utiliser une stratégie dans le même style de ça que nous faisons, pour que nous même ou capable de détourner ça que nous faisons pour qu'on foute libérer le pays. Parce que, je dis nous ça très bien, moi regarde et me comprenne. Moi, président Jovenel Moïse, pas t'a pas assassiné avec M. Sayo. Jovenel Moïse était trop doux. Reginald Boulos, parlons parole, que nous allons faire notre entendre là. Moi, je vais nous entendre l'émission ça. Moi, que président Jovenel pas t'a pas assassiné. Yeah. Président Jovenel Moïse pas t'a pas assassiné. Et pas de possibilité pour le président d'exister. Avec M. Sayo. Moi, je vais comprendre. Pas de possibilité pour Jovenel Moïse d'exister. Avec M. Sayo. Jovenel Moïse peut qu'on comprenne. Dans qui ça que le prend. Jovenel Moïse peut que j'aime comprenne. L'an de Michel te dit, faut que nous allons prendre la calé pour nous racheter l'an. Il veut qu'on comprenne qui c'est. Si monsieur dit avec toute quelle, si a fait préparation en vrai, Jovenel Moïse pas de comprendre ça. Jovenel Moïse pas de comprendre. Le, Evalier Beauplan dit que, faut que nous jeûne l'huile pour nous vider notre tête monio. Pour si mon cas fait accident notre tête monio, Jovenel pas de comprendre que, eh bien justement, c'est pour des bombes qui s'est parlé. Jovenel pas de penser que un papa petit, un sénateur de la République, tu es capable de rentrer, logique comme ça. Il va penser, monsieur, qu'il a fait ça vrai. Même s'il dit grave oui, mais je ne venais pas jamais penser que monsieur a posé une action comme ça. Je ne venais pas jamais penser. Le John Joel Joseph dit, à part le 17 octobre, de qui nous toujours parlé, qui sont des têtes chargées, qui ont été lapidés par la nation, il faut nous faire l'autre date pour nous traîner tête Jovenel Moïse dans la rue. Je ne venais pas jamais penser que John Joel Joseph a rentré dans le complot pour Dimitri,
pour te assassiner dans condition pareille. Je venais pas te comprendre. Mais m'a dit si c'est moi, m'ta comprendre. Et m'ta prendre des dispositions pour me pas assassiner. Parce que je suis chef de l'État. Moi c'est garant bonne marche institution yo. Moi responsable sécurité chaque haïtien. Défaite. C'est moi qui doit plus sécuriser. Dans sens ça. Nous t'a marqué en pile pas vers le progrès pour que pays en capable de stabilité. Mais comme là nous considérer assassinat Jovenel Moïse, dans le contexte, dans la façon que vous faites là, et là, vous avez le système là, nous avons Jovenel Moïse, c'est un sacrifié pour la République. Ah oui, Jovenel Moïse, c'est un sacrifié pour la République. Vous faites crime là. C'est vrai. Mais Abdil, ça va pas arrêter un peu. Nous pas le faire entendre l'intervention originale Boulos, qui va content entendre. Parce que, vous parlez clairement, qu'on peut assassiner Jovenel là, quand il sorti. Vous parlez clairement, que j'en ai dit, y a pas monté. Mais vérité, y'a pas capable de parler. Parce que nous, c'est info beto. Parce que nous dit, c'est seul archive qui bouge pour parler. Chaque déclaration qu'on fait aujourd'hui, nous capable de aujourd'hui. Mais attendez, si après un an, nous allons faire peuple là, ouais, qui ça quoi fait comme action? En nous tournant, non, visite William Ruto dans Port-au-Prince. Et tout d'abord, quitte me saluer chaque gagne dans nous, qui attendez et garde l'émission. Mes amis, partagez pour nous. Jeudi, c'est 22 septembre. Moi, c'est 4 jours pour l'anniversaire. Ouais. Anniversaire, ouais, oui. Tout le monde cadeau mio. Mes amis, vous voyez cadeau moi. Vous voyez cadeau moi, moi, parce que moi-même besoin cadeau. Il est clair? Faites-moi important pour moi, papa. Faites-moi important pour moi, si important pour nous chaque jour. Eh bien, mon cher, vous avez cadeau, maman. Vous avez besoin de cadeau, papa. Et comme ça, nous allons fêter ensemble. Nous allons célébrer. Nous allons fêter. Nous allons faire gros causer. Nous allons inviter mon nom à l'honneur. Nous allons faire grand pampan. Mais sauf que, moi, mes petits cadeaux, moi, une belle petite plaque. Mais tu vois, moi, mon paysan. Paysan, mes belles bagailles. Moi, ça, oui. Mais nous allons tourner sur ça. Partagez, commentez, like et puis abonnez. Pas jamais négliger ça. Leur partager mission ça ou faciliter yo lot haïtien capable découvrir plateforme là. Leur partager ou faciliter famille ça li grandit parce que la grande famille Infobeto son famille qui doit grandir. Parce que parole l'a parlé de côté. Mais encore une fois m'a réitérer ça que me dit. Moi saluer chaque nèg avec femme qui prend émission Infobeto pour partager alors pour mettre sur l'autre plateforme. Émission qui nous fait sur plateforme YouTube Infobeto yo, moi saluer chaque grand monde qui mette sur plateforme pa yo qui relaye émission. Mais par conséquent, là où prend audio, on a que chercher vieille image bandit gang sale pour mettre sous lit et puis pour diaspora haïtienne n'a prélé non. Et a dit nous Fobeto, image ça pas bon pour n'a vendre yo, ça fait mal en pile parce que m'pa jamais poster vieille image bandit gang sale, la police a touyer non, m'pa poster ba ça yo. Là ça c'est image pas moi détruit. M'pa ka a faire mission au jeune ni pour travailler sous lit pour faire son orgue pour faire ensemble avec elle. Revenu qu'a venir jeune vin jwenn nous et puis quelque part moi m'image pas m'ap sal réputation m'ap sal ba jam faire émission m'a projeté vieille image de pays d'Haïti la plateforme YouTube Fobeto c'est même j'avais une plateforme plus gros blogueur dominicain yo yo pas jam vendre vieille image de la caillou yo parler politique yo fait commentaire dans affaire politique mais yo pas vendre image OK côté a braché moun côté dominicain a piqué moun yo pas jam poster ça par conséquent en dominicain il y a violence extrême. Il va poster image côté que la police a traqué drug dealer parce qu'il y a Dominicain qui connaît pas la voilà c'est bagarre drug seulement qu'a régler États-Unis et fait sur ton note sur le département d'État fait sur ton note là pour parler de États-Unis espay fait sur ton note là pour parler de la Dominicaine pardon et non problème drug ça veut dire que ça ou t'attendre de tout Dominicain parler de oh, drug non il a parlé de secteur touristique. Il y a parlé de travail que le gouvernement a fait, ça le beaucoup fait, ça le te dit pas le fait. Faut qu'il fait, il y a pas exigence de bagages. Sauf que il y a une stabilité politique quelque part, discours pas on capable peut-être différent par rapport ensemble avec discours pas parce que il même il y a déjà gagné stabilité hein. Peut-être que il y a cherché plus,
y a pas arrangé au plus d'avantages pour que yo capable faciliter plus monde rentrer dans pays yo. Parce que dominicain je dis les besoin plus étrangers que gagne l'argent rentrer dans pays vite visiter pays et puis l'a tout offrir un petit espace qui gont belle morceau terre li dit comme ça que l'état bote ça gratis pour construire et l'état pour te usine pour gratis ou met à chercher usine à côté lien l'état vous met sous gain usine dans la Chine. L'État dominicain a voyé un bateau à prendre usine pour vous et l'État dominicain a monté usine pour vous. Ça veut dire que pour capable venir mettre usine dans le pays. Quand pile oligarque qui fait l'oligarque a ici qu'elle fait la Dominicaine. Il vole comme là, il boute comme là et elle mette go usine en Dominicaine. Mais qu'a produit fatra pour Haïti. On va comprendre. Ça veut dire. Et en tout cas, m'a demandé nous partager pour nous émission hein? Et mon qui a posté vieille image vidéo salio pas posté yo. Là nous gagne audio info beto yo pas fait ça et n'a dit toutes amis qui attendent émission nous c'est info beto ou attendez nous sur plateforme YouTube info beto c'est là jeune vidéo originale qui sent vieux vidéo côté bandi gang sale a fisier moun yo en avance m'a gagne pour avec pièce des amis qui relé émission info beto mais sauf que l'on prend audio protéger nous c'est nous qui parler la donne c'est moun et nous moun attendez. Si on remet nous, on remet dans nous. Yo campé même si on pas ouais nous, on tendez nous là. Ça dit que faut gon belle image. Attention. Il est trop belle côté. Là pour aller faire route comme sous praler et grand sud, filmer grand route ça mettez sous lui. Au lieu faut poster image comme les gangs salizo. Non, faites attention monsieur. Bah je comme ça. On avance. William Ruto débarqué dans pays d'Haïti. Vidéo. Voilà, c'est un avion pays Kenya. Que président pays Kenya débarqué sous piste aéroport international Maiga Teyan et hier qui était 21 septembre 2024 là. À bord les gagné délégation pays Kenya qui pral aller New York et ben qui déjà fait une visite pour visiter soldat Payo qui en Haïti. Li fait dans l'idée pour que président pays Kenya Karl fait lobby sous tribune Nations Unies. Nous pral veye pour nous en ki langue que Gary Koni pral faire discours, li fè en anglais, n'a pral prendre temps, n'a pral prendre temps pour nous décortiquer chaque ti sa que il dit parce que pas oublier. Nèg yo gen objectif moun ki mete yo nan pays d'Haïti pour continuer bafre nous, ba nous mentor, détruire peuple plan. Nèg yo di yo gade, al bay mentor nan international comme quoi que go bagay ka bien fait nan pays d'Haïti. Pour yo protéger image pa yo. M'ap di li extrêmement important pour nous. Pour que nous-mêmes, nous démentis tout vagabond qui pensait que, eh bien, mon cher, ou capable de bafrer nous, n'entend ça. Ça couvre pour après. Yo plus à chercher journalistes dans les médias traditionnels pour mettre bon côté. Parce que c'est ça, ou capable de serrer vérité pour eux. Mais nous, yo pas qu'à chercher nous pour mettre bon côté. D'ailleurs, nous pas bon côté tout. Et si pour nous d'abord côté, bon côté pays, soit faire bon bagay, n'a bon côté. Mais si on connaissait pour nous bâiller mentor pour nous, pas qu'à bâiller mentor pour nous. C'est vérité qu'à venir parler là. En gade, comment président pays Kenya a atterri sous piste aéroport international Maiga Teyan. Par la suite, nous prenons rentrer dans le dossier assassinat président Jovenel, Boulos fait une intervention qui est extrêmement important pour que nous entendions. Et bien, nous allons faire nous entendre. Entendez ça. Voilà. Monsieur Koulev, cette traite, yo. William Ruto, président Kenya. OK, c'est président pays Kenya qui a descendu avion. Pas oublier, c'est en Haïti. Hier, qui était 21 septembre 2024. Là. On continue à regarder l'image dans sur l'écran. Alors, crédit vidéo pour Tripotay la caille. Tripotay, je salue et je prête ça. Je prête ça, Tripotay. Respect pour vous. Un peu de respect. Tripotay la caille.
Commandant. Voilà, William Ruto, président pays Kenya, monsieur rentré en Haïti, et m'a rappelé périmètre extérieur et troisième périmètre jusqu'à quatrième périmètre, yo, c'est police Kenya qui a sécurisé. Nous va comprendre en pile bagay. Pays ça, me dit nous ça très bien. Si nous arrivons là, c'est parce que tu as André Michel, qui a conseillé Ariel. C'est parce que tu as Ariel dans tête pays. C'est parce que tu as gagné. Moun tankou Majorie Michel, Rosemi la petit frère, ou te gen P.O. ki la gen amè, ou équipe sans ave, ou équipe sans koucha, ou équipe sans vision, ou équipe krasè de pays. Jout kal fè demande avec pays, avec soi-disant force multinationale, kote ke États-Unis d'Amérique, kampe deye, bagay sal nèg sa yo, pou ke al chèche Kenya pou vote ba nou la, sa ke yo pa gen anyen ke ap regle. Mais pour conséquent, yo gen koze pa yo, yap vin jere. An gade, mache président pays Kenya. Mes amis, n'da yame nou ki ton commentaire, hein? Ki ton commentaire parce que, honnêtement, m'bezwen jwenn opinion non. Non seulement nou karele mwen, pour nous participer dans l'autre émission, parce que c'est important pour nous. C'est important pour que nous quittions des commentaires clés. Parce que ça, yo, ah, franchement, il faut que nous ayons des commentaires sérieux. En avance. Voilà. Et c'est comme ça, ça y est. Et voilà. Jean Abgadel, là, président pays Kenya, à côté Ilga Leblanc fils. Et donc, qu'est-ce que tout le monde a posé? Pour qui ça, c'est Gary Kony qui montait New York, qui va participer dans l'Assemblée générale, dans la société de New York? Pour qui ça, c'est pas. Et comment il s'appelle? Pour qui ça, c'est pas Gadi Leblanc qui vient, tel bagage? C'est une question que ça a posé. Mais attendez bien, est-ce que Gary Kony, est-ce qu'il y a le Leblanc président? C'est le président qui côté? Président qui ça? Est-ce que vous comprenez? Président qui ça? Qui est-ce qui te bat le pouvoir? Ça l'a fait côté lié là. Nous devons comprendre ça. Eh bien, naturellement, j'aime dire non. Président pays Kenya rentré sous piste aéroport international Maïgateya. Et que, yon grand pile cause, qui yon vin gérer. Et Mabdou ça est très bien. Et c'est visite qui planifié avec président voisin. Président voisin, au courant de tout ça qui a passé dans affaires force multinationales. Mais nous-mêmes, Mabdou ça très bien. Gon lobby qui n'a décidé de faire, et fon veye. Avec Gary Kony qui va prendre la parole dans Haïti, dans les Nations Unies. Pour qui ça, M. Pral dit? Je prends chaque grand haïtien, 27 septembre, je prends le que M. prend la parole. Il faut que nous veillions le Gary Kony qui va prendre la parole pour nous gagner une intervention par M. Il fait en anglais pour nous décortiquer le pays. Parce qu'il faut nous connaître ça, M. Pral dit. Parce que nous avons décidé pour que nous cachions la vérité à la réalité à terre, le peuple a mal vivre. Moun pa ka fonctionner, négocier boîte l'argent, séparer ministère, séparer direction générale, séparer toute boîte l'État pour ne capable continuer faire cob. Faire cob, mais peuple a continué à couper dans misère là. Dans insécurité généralisée. Je dis à un trafic d'organes cap ravager terrain. Premier ministre pas prononcer, DCPJ pas dire rien parce que ne cap faire c'est gros palto. Si ne cap faire c'est gros palto, c'est gros zouzoun, ne y a prend haïtien disparaît haïtien sans camper, et puis tout le monde camper regarde nèg dans yeux. Moi ça pas arrêter comme ça. Tout à l'heure, nous parlons de Jimmy Chéri Zé Barbecue tout. Quand est venu, et sur un paquet de l'autre dossier qui a rapport avec le mouvement gang, nous parlons de Barbecue tout à l'heure parce que nous avons passé, oui, il faut que nous passions, parce que les gangs ont parlé, il
faut nous passer le gars il connait passer parler nous passer le gars il galère parler nous passer et ben les gangs sales ça parler tout faut nous passer tout parce que c'est toujours même gang yo gang cap volant dans l'état gang cap kidnapper dans la rue c'est même gang là faut peuple attendre tout monde net et vous peuple pas capable de position parlant sous ça cap dire c'est très important et nous elle nous monsieur sur écran c'est William Ruto qui rentrait en Haïti hier qui était 21. Qui ça Kenya pour dans pays d'Haïti pour nèg fait toute lobby pour qui ça ba menti ça c'est que y a ba menti ça qui ça qui caché pour qui ça ba menti qui vrai objectif yo qui ça nèg yo gen comme plan qui ça yo gen comme plan est-ce que logique pour nous quitter yon groupe de moun rete an dans pays a fait toute qualité ça pas honnête. Est-ce que logique? Non, pas logique. Faut que nous prenions toutes dispositions. Faut que nous prenions toutes dispositions pour que nous changions une série de bagailles. C'est inacceptable ça. Nous ne pouvons pas tolérer un groupe de monde. Mais comment est-ce qu'on dit nous tout qui est important? J'aime toujours dire, nous trouvons pas make sense pour que critique pas mal les doigts vers le président pays Kenya qui c'est William Ruto. Non. Si critique pas mal joine William Ruto directement, connaît que on pas chercher solution. Parce que m'pap, si on pas mal prend problème nan, nan tête là, nan niveau nan tête, nan tête bagaille ça, ça veut dire que me quitter racine nan, on pas sou éradiquer problème nan, ou du moins on pas comprendre du tout. M'a demandé non. On va regarder qui est ce qui était fait appel avec force multinationale en octobre 2022. Nous, c'est l'équipe Ariel là. Nous, c'est André Michel qui te dit comme ça que tout autant que pas une force multinationale qui entre dans le pays d'Haïti, le pays n'a jamais gagné la possibilité pour gagner la paix. C'est pas André Michel qui te répète? Oui. Est-ce que le pays n'a jamais gagné la paix? Oui. Non. Malgré nous, force la ville d'André Michel pas un contrôle li. Parce que, alors, même dit pas un contrôle là. Il va venir sous pouvoir par les gens qui ont été là. Mais force la ville quand même. Ça veut dire que tout ça André Michel dit, il fait. André Michel dit la touye président, il touye. Il dit la bloque pays, il bloque pays, il dit la bloque pays pendant 4 mois, puis personne ne voit tout l'école avec équipe li. Équipe oligarque financière, il fait. Type ça, son équipe, ils sont type qui est extrêmement dangereux. OK? Ça veut dire que, monsieur, respectez moi. Et son équipe était cohérente, papa. Il dit la boule pays ensemble, il crase pays. Ton est boule, il crase pays. Et tu l'as crasé pays en vérité le crasé pays. Il crasé pays. OK? Il démolit Haïti. Eh ben, mais qui pays qu'on gagne? Mais qu'on y a ça pour nous résoudre comme problème d'abord. Et m'a prédit là encore. Ça ou gâté ya? Ou aller pour qui côté Haïti sorti pour arriver là? Monsieur dame. Nous t'ai pays t'ai tout pays. Moi-même, je parle avec grand-maman, je parle avec moun qui là avant moi, moun qui fête sous François Duvalier, moun qui fête, et je suis capable de dire non, en 68, yo, qui la journée jodi an, moun qui te gen ti l'esprit parce que François Duvalier mourut en 71, c'est ça? Moun qui là, qui te gen vivre en partie dans le temps. François Duvalier pour arriver sur Jean-Claude Duvalier. Mon explique qui Haïti te gagne. Et yon ba nou image Haïti nous te gagne. Si nous te gagne Haïti ça, monsieur dame, est-ce que je dis à logique pour un pays réduit nos niveaux pareils? Et puis pour nous quitter, monsieur Nex avec femme sa yo qui réduit pays à nos niveaux ça, continue soit disant diriger pays à toujours. Est-ce que logique? Moi, je trouve le pas make sense. Et quel que soit les prix à payer, il faut que Haïti reprenne droit grand d'être mangeli. Nous sommes trop loin pour arriver là. Mais pour nous faire, j'aime dire là, nous ne pouvons pas faire l'autre possibilité. Nous sommes obligés de trouver les politiciens. Période. Parce que j'en ai vu pas là, les politiciens trouver bon monde pour occuper l'espace pour pouvoir politique là. Ça veut dire pour continuer à mener le pays à côté de l'arrivée là. De fait, si nous connaissons tout le monde de bien, nous c'est le monde de bien qui a besoin de stabilité et la paix en deux pays. Automatiquement, nous devons utiliser des stratégies qui sont extrêmement violentes
pour que nous capable éradiquer ça là défaite objectif là c'est pour haïtien éliminer politiciens nous obligé éliminer politiciens sous classe politique là pour nous capable jeune pays pour nous fonctionner parce que tout autant que ces messieurs ça cap prendre décision dans secteur politique là moi garantis nous les maintenant 20 ans maintenant 30 ans ou pas chambre gros pays parce que yo en dedans yo pas gain ça et c'est seulement oui pour mourir seulement pour pays ça gain chance li. C'est tout y est pour tout André Michel. Nenel Kassi, Major Michel donne 14 chez les Ludo. C'est masse peuple là qui pour prendre ça. À coûte manchette, même j'en ai cherché Iso. Même je suis tombé sous la mort sans jouer Iso pour barbecue, comme si toute l'autre gang que nous estimons qu'il y a un problème. Yo. Si nous décidons de faire un bagarre, il faut nous chercher André Michel. Toute classe politique là, net ou qu'on est. Même j'en ou gain objectif fou, éradiquer les avec examen, c'est même ça que nous dans tête pour classe politique là. Sinon, reviser Kayo, cherchons leur stratégie. Et si vous pensez que cette gang à sa patte là, gang kap kidnappe moun sur le terrain, ou parce qu'on va l'éradiquer, non. Ou pas jamais une solution parce que vrai gang nan, lisse nèg politique la. Et m'garantis ou, depuis gang a sa pat la ouè koop, éradiquer gang secteur politique la, mwen garantis ou, wap wè, yo affaibli. De vous m'kompense m'achete sou fiel, oligak korompi yo, wap wè que yo affaibli. Et sa koop di yo a, wap prete pou di yo a distance, et wap bayon délai bien précis. Il a fait exactement ça ça qu'on besoin de faire. Alors pensez que monsieur Ameyo gang Ameyo c'est puissant ou puissant? On pense qu'il a fait live, on pense menti. Il va puissant oui. Il va capi criminel que l'état. Il va capi assassin que l'état. Il va capi méchant que l'état. Bra yo pas capi long que l'état. Il va pas gagner plus ressources que l'état. Ou d'accord avec moi? Ça veut dire que pas une possibilité du tout pour que ça va faire un bagage pour comme si m'dajou pour bloquer l'État dans tout sens, non. L'État contrôlé par des criminels qui étaient des politiciens. L'État est pris en otage par des oligarques corrompus, kidnappés, assassins, qui parlent en Haïti. De fait, l'État pas capable au service peuple, l'État pas capable et prendre disposition pour que les sécurise la population. Parce que les gens qui mettent en insécurité généralisée, de fait, c'est lui qui contrôle l'État. D'accord avec, ça veut dire que pas qu'on décision qu'a jamais vinn prendre. Qu'a jamais intérêt. OK? Il est très important. Bata la papiti. Il faut que nous assumer responsabilité non? Pour que nous menions combat ça, dans le niveau que nous devons mener. OK? OK? C'est très important. Maintenant, moi, je dis que, alors, avant que nous arrivions dans la partie ça, dans le dossier assassinat président Jovenel, moi, je suis CPTO. Après, si vous voyez, on a 4 cités de monde, on est dans le pays, bon, mais voilà, allez même, mais voilà 100 millions de gouttes là, mais. Et, vous voyez, qui me dit, nous, qui est important, qu'on pas qu'être étranger là, on a des ambassadeurs qui viennent remettre l'aide de créancio, avec soi-disant, messieurs, dames, et qui comment il est CPT. Messieurs, vous voyez, pays ça, n'a pas joué avec elle. Mais voilà comment elle est. Voilà ça, vous dites, je vais chercher contact tout le monde. Pour chercher moyen pour le taper à tout le monde. Je dis, mon cher, saute-moi, papa. Parce que même papa, là, vole, papa. Même depuis ce vol, là, voilà, je ne dis pas de papa, mais. C'est évité. D'ailleurs, vous ne pouvez pas coller là tout. Et. Vous ne pouvez pas coller là. Bagala en pile. Et monsieur Sayo, illégalement, il a pu recevoir l'aide de créance de monde qui soit dans les têtes ambassadeurs qui ont entré dans le pays d'Haïti. Edgar Leblanc, fils, même dans son comportement, où elle passe-t-il chef? Où elle passe-t-il chef? Mais par conséquent, c'est yo qui l'a. Et c'est yo, communauté internationale, l'a supporté. C'est yo. Et c'est grave.
C'est malhonnête. C'est malhonnête. Et la Dominicaine n'est pas prenne pour rien avec pile fatra ça au claquer les têtes au président. 9 moun. 7 devant, 2 derrière dans pour observer. Qui ça pour observer pas connait. Il y a pour observer volo cap volo. En tout cas, grâce la miséricorde hein. Grâce la miséricorde. Grâce la miséricorde. Ah non, quand nous grave. Quand nous grave. Mais monsieur sur écran et bon, c'est des gens qui sont solidaires, oui. Ouais, ou solidaires dans le vol. Par exemple, gagné Tichin, comment relise, représentant Lavalas en dedans conseil là, qui le Voltaire soit regardé sur écran, qui passe près de 2 mois pour prendre soin en Dominicani, parce que ça l'a été malade, pas gagné l'hôpital dans le pays d'Haïti pour le prendre soin, bon, et pour le territoire de tout mourir dans le pays d'Haïti. Et sans avoir ça, il n'y a pas de petite possibilité pour l'hôpital fait. Eh bien, rayon ça, qui est le Leslie Voltaire, mon cher en prise de parole dans les médias dans le pays d'Haïti, monsieur dit pas question de démission pour CPT, pour membre dans CPT. Yo solidaire, yo plus que solidaire et pour que tel bagay. Ça veut dire que ça. C'est normal pour yo solidaire. Nous devons être solidaires. Oui, nous devons être solidaires. Parce que nous sommes une équipe volée, qui a pillé un pays, nous ne pouvons pas arrêter solidaire. OK? Nous ne pouvons pas arrêter solidaire. Parce que yo pillé, n'a pillé. Là, pour nous tout les Jovenel Moïse, nous tous mettons tête ensemble. Nous assassiné le président. Et qu'on paquet de criminels qui impliquent l'assassinat de Jovenel Moïse qui ont dans CPT ça. OK? Il y a un oligarque qui impliquent dans tout le Jovenel Moïse qui ont dans CPT ça. Vous présentez un oligarque. Nani? Qui a été côté où tu veux gagner? André Traversé. Ce dernier temps, Jimmy Cherizé Barbecue, monsieur parlé en pile causé, et dit, nous gagnons pour nous parler. Pour nous faire une interview avec Barbecue. Mais nous pouvons prendre date là pour nous faire. Mais nous faisons quand même. Nous regardons qui est meilleur moment pour nous faire. Et semaine, ça m'estime que Barbecue a pile bagaille qu'il a parlé avec tout le chef gang. Et nous parlons en pile dans les réseaux sociaux. Hein? Et nous faisons live toute la journée. Et bien, nous parlons. Et bien, non, l'intervention que nous fait et sous ça qui a passé, nous avons des gens qui posent des questions sur Guy Philippe. En attendant de qui ça Barbecue t'a répondre de commandant Guy Philippe. Que moi m'estimer que monsieur gon dimension le gain. En attendant. Jimmy Cherizier alias Barbecue pour nous traverser dans l'intervention Boulos là sous dossier assassinat Jovenel Moïse. En attendant. Le nom est parlé Jonas, même tout dit ça. Moi et avant d'être millionnaire parler, moi prêt pour me répondre n'importe question. Moi pas prêt pour me faire politique, moi pas prêt pour m'a venir petit bagarre pour venir faire mon plaisir. OK, m'a quitté nèg millionnaire parler. Nèg a vinn parler de Guy Philippe. Guy Philippe t'est vinn joine vivre ensemble depuis Genève t'a fait bataille li. Nan bataille qui vinn en fête là, Guy Philippe vinn joine nous t'a bataille. Qui ça Guy Philippe t'est fait pour propre tête li? Qui ça environnement Guy Philippe t'est fait pour Guy Philippe? M'passe sur ça. Moi respecté monsieur qui est le Guy Philippe là en pile. M'grand pile respect pour lui. OK, m'passe sur ça, m'pa grand pour parler. D'ailleurs, même dans plus gros journal international que m'ai chance parler. Moi expliquer que je dis à pays à peut-être un grand leader crété mon qui a fait confiance sur le Guy Philippe même pas nous qui ne tient pas politique à nèg le wad de besoin faire politique la fait wad gars vient parler de frère Dixon m'pas besoin OK mon a vienne pour poste bien fait je la somme sur quoi bagaille tant pour mon a focado un poisson plutôt le mouton pêché et je dis à où est le jouer l'état où est le jouer l'état alga qui côté qui plaît des guerre ONG alga de ces pays en Afrique pays gain misère côté que il a vienne parler petit grain diri. On peut être quoi si nous parlons de PAM, non, par exemple, programme alimentaire mondial. Haïti, son pays essentiellement agricole, et ça, on te montre nous. Nous, qu'à faire manger. Nous, qu'à baisser nous manger. On a besoin de faire publicité pour le monde. M'a pas dit ou pas faire. M'a pas de problème à nous. Mais là, m'a parlé pays, m'a parlé vérité, m'a un sentiment à nous. M'a pas millionnaire en aller. Ok, merci. Chéri, Barbecue, j'ai deux questions pour vous. Première question, mais ça, les m'attends de parler, chaque jour, toujours en bas live, m'attends de parler, moi, j'ai même discours avec politiciens. Ou toujours dit, pep, de qui pep quoi parler même? Voilà. Ok. M'a parlé exactement des peuples haïtiens. Peuple haïtien, moun, cité soleil. Barbecue semble décider. Moun, ouaf, Jérémy. Mon en Badelma, mon village de Dieu, mon Gravine, mon Tibois. OK? M'a parlé de moun sa yo et que yo marginalisé. Mon côté me sorti yo.
et que yo pa jam pran soin yo. M'a parlé des moun ki pi reculé dans la section communale yo. Côté moi-même qui dans capitale là. Cité Soleil qui dans capitale là. Nous pas ouais présence l'état aller voir pour moun ki nan coin ki pi reculé dans section communale yo. Et des peuple ça n'a parlé. Est-ce qu'on connaît ou son nèg dans tout nèg qui gen mes âmes nan men yo comme on c'est policier est-ce qu'on connaît peuple a te fait confiance qui pi fort nèg qui mes amis yo? Par exemple le regard des peuple a te croire nan ou appel peuple a vinn konti crasse croire nan ou nan ki sens pa vinn konti crasse croire nan ou c'est parce que l'on vinn fait toute alliance sa yo wè ke bon si babé ki nou te renmen la vinn fait alliance avec nèg qui gen zam yo li pa ka parler avec ou di monsieur konsa passé nap goumen an goumen pou m kite peuple a toujours été la kayo pa kite peuple a courir parce que si peuple a courir li pa bon li pa bon pou moi même parce que c'est peuple a ki si c'est nan matrice peuple a m sorti parce que l'on regarde vraiment l'on regarde discours yo c'est comme tout à l'heure pendant ta parler avec ou l'a nommé l'autre mon labdou la mensonge non l'on regarde discours l'on regarde langage parlo c'est deux bagages différents avec l'autre nèg please l'on babé que l'on regarde tout goumen ça ou pas penser que demain si devenir que demain samedi à là dans une minute la minuit là la dans samedi on pense si américain vli s'il pas supporter si tirance qu'a fait en Haïti par contre demain c'est qu'a vli l'entrée la peine dans 24 heures pour qui ça que ouais ça yo attends s'il vous plaît bon petit mot sur ça et dans question parler avec moun mon groupe que les vivants ensemble on va souler on va connaître qui va aller goûter même faire et jodi a pas ni force Kenya et pas ni l'armée d'Haïti et pas ni la police qui font un paquet nèg qui te font faire kidnapping choisi pas faire kidnapping encore et parce que gon moun qui vient à parler gon discours commence à traverser qui fait yo choisi pas faire l'encore ça fait un deuxièmement question si américain vle depuis après 1900 que yo construit nous comme une équipe esclave mental nous pas jamais goumé pour sortir là ni moi même tout nous rentrer là dans lui mais je dis à moi même m'a goumé pour me sortir ta ou dande li pas dans 50 états ni 52 états États-Unis yo États-Unis pas qu'à décider s'il vle la vienne faire tel bail d'ailleurs pas qu'à faire mal ou louga ou qu'à manger petit main et puis on vienne proposer ou qu'à traiter encore mal pays ça c'est parce que États-Unis pendant 50 dernières années supporté politiciens corrompus moun yo connaît même qui corrompu yo fait exprès yo mettait le président yo mettait le sénateur en façon sou pa bam tel bagay m'a déporté fan moun ki l'autre bois sou pa bam tel bagay m'a pren sanction contre m'a pas arrêté ouais États-Unis on parle ya depuis le monsieur fait si nèg ici marché les ont coupé visa yo gardo équipe esclave domestique esclave à talent qui relait tête yo journaliste moi qui chier des pieds qui t'a doué impartial qui pas doué qui t'a doué pas dans passe pour qui t'a doué a bay vérité qui a défendre peuple là jodi an c'est eux même qui vont nom yo bay gariconi on nèg qui pas même gagne carte d'identification nationale jodi a suspend di pays a si américain vle jodi a faut gon moun tankou Ibrahim Traoré faut gen moun qui camper qui dit non et pas américain pour qui décider c'est eux même qui parler là avec en tant qu'haïtien même sous ta passeport américain dans mon un privilège faut accepter passeport pour qu'a jouir tout privilège pays à baou mon rete haïtien nan amou c'est nous même pour qui met tête nous ensemble jodia pour qui dit et que nous pral regarder comment on a fait pour nous changer baou OK question à parler de moun k'ap kouri kite kay frèm moi même m'a fait live ça pa gen on nèg vivant ensemble qui pa regarder moi tout temps sous groupe moi même sous groupe vivant ensemble spécialement côté que on toujours expliquer nèg pas A plus B. Monsieur, nous dit n'a goumen pour peuple et puis n'a kidnappé peuple là. Quand peuple ça va le rejoindre nous là. On pense faire goumen nous pas abouti et parce qu'il a kidnappé peuple là. Monsieur, nous dit n'a goumen pour peuple et puis n'a fait tel bagaille. Nous dit n'a goumen pour peuple et puis n'a fait tel bagaille. Yo, moi gon bataille m'a fait et que pour nèg prend conscience pour sortir côté là. Mais avant mes criminels nèg yo. Jeff Kadaran dit vite l'homme dit, vous posez tête aux questions comment fantôme 69 t'est fait former. Justement. L'invité l'homme bail vérité. L'aide Jeff Kadaran en parler de André Michel. Qui qu'on a vinn voyer, moun vinn côté au camp des barricades. Là l'homme s'en joue dénoncer yo. Nous dit nous pas faire Paul Bandi confiance et puis nous suivre soi-disant sacré les leaders d'opinion yo.
nous suivre soi-disant les quelle tête yo go analyse politique yo côté yo mener nous c'est là nous aller nous stigmatiser moun ki nan quartier populaire yo ça faut que nous poser problème yo et c'est ça tout a dit ni nono ni wadli barbecue qui raison qui fait nous pour qu'aucun béon nèg dans l'état pour nous marrer le désert pour peuple a garder Nous commençons à ne pas faire pays à mal. Mais qui s'en d'appeler? Ouais, là, il va faire, là, pas enregistré. Tenez bien. Une question pour Nono. Bah, même, c'est excusé, parce que c'est live, une question pour Nono. Combien de fois, ouais, la police marie un nègre, qui est dans l'État, qui peut dire le peuple, qui dit, mais nègre nous marie, qui a pour des âmes à les bandits? Ou bah, comment des nègres? Nègre millionnaire. Avant, Audemars mourir, Audemars cité non. Profane Victor. Combien fois t'es on a gueulé profane comme l'État, ça fait un. Au contraire, les gros dirigeants politiques. Et moi société nos frères Zivalme, alias Zizi, qui te démarché et marchand Zambou Reginald Boulos. Journaliste nous aimé n'a dit gros directeur d'opinion, chaque secteur dit matin faut nous venir tendre yo et chaque 3 heures faut tendre yo, chaque 10 heures faut tendre yo. Et pas avec tous ces policiers, tous ces chefs, vous avez arrêté là dans la réunion avant. Depuis 2 heures, j'ai fait un bas live là, moi-même. En bas live, moi-même qui est chef. C'est ça que je mets un bas live, je respecte, je vais faire ça. Depuis moi, je ne vais pas discuter, je vais juste quitter live là, je fini. On a les nègres millionnaires. Je ne vais pas faire ça. Ton est boulem, Jovenel Moïse qui a plus intérêt pour le tuer Pierre Espérance que moi. Moi, tête il m'a un vieux mouchoir. Il faut les artistes qui ont chanté. Avec qui ça est diversion. Jovenel même. Ça est diversion à faire avec qui. Ouais, c'est ça, on dit, vous-même, parce que il n'y a pas important pour le monde. Ou même, c'est comme ça. Soit il mette Jovenel Moïse, il y a plus intérêt. Pour ça, Jovenel Moïse vient tomber là. Mais c'est un petit peu dégénéré avec vous. Non, mon cher. Oh, non, il n'y a pas de temps pour continuer. Tandis là, mon cher. On parle de Pierre. Eux, par exemple, Pierre Espérance, ou qu'on y a pas de Pierre Espérance. Et comme les Jovenel Moïse Gézam Namel. Ok? Jovenel Moïse a fait travail par le niveau pour le faire. Mais même, Pierre Espérance, c'est gang, il faut gang. Sous compte Pierre Espérance, il faut gang. En bien, il faut parler avec gang. Moi, j'ai besoin d'aller l'autre monde pour gagner intérêt pour mon altoué monde pour mon. Mais même Pierre Espérance fort gang et zam li fort qui ben amon zam qui dans mon tout un paquet moun et ben de fait ça peuple abandon et ça peuple adou ou qui doit connaître ou même ou pas rentrer dans logique faire affrontement avec Pierre Espérance et ben quelque part quitter l'autre bagage pas de problème mais qu'on n'a pas venir aller Pierre pas venir aller Jovenel Moïse là OK venir aller Jovenel Moïse parce que l'était important pour que nous te prendre extrait ça dans main Jimmy Chérie barbecue mais reste parti barbecue sale colle nous pas pas continuer dans le barbecue et fini. D'accord, les messieurs font leur intervention pour nous-mêmes qui est important. N'attendez-les. OK? Liberté ou la mort. Jimmy Chérie barbecue ou déroute là. Et ou passe à côté dans. Peut-être ou bon, qu'on dit un peu le bail qui est important. Mais ça, on fait fly là-dedans. Par le fait qu'on fait fly, nous allons continuer et quitter au passé. D'accord? Sous-titrage direct à l'émission, nous avons dressé ça et puis nous avons continué l'interview. Mais par le fait qu'on va direct,
Mon cher, il est important pour nous continuer à frapper. On avance. Et monsieur Amé, pour le moment, il dit comme ça que ils font trêve. Alors, ils campent sur kidnapping. Il y a Jeff dans Canaran, il dit qu'il va faire kidnapping. L'homme sans jour, il était sur les ondes, il dit qu'il va faire kidnapping. Et si l'appel dit qu'il va faire kidnapping, Barbecue dit Iso dit qu'il va faire kidnapping. OK. Mais maintenant, qui ça bloque Matissan? Qui ça fait Matissan bloqué? On ne peut pas capable de sur Matissan. On a regardé pour nous. On a regardé qui est-ce qui a un bateau qui a boté machine dans APN, Port-au-Prince, pour rentrer et pour aller mettre machine Tigouave, mettre machine et dans le Grand Sud. On a regardé pour nous. À combien de contenants de marchandises, un camion, pour déposer dans le Grand Sud? On a cherché pour nous. Et bien après, problème pas nous, est-ce qu'elle est là pour aujourd'hui? Et la machine passe sur Matissan, elle regarde la quantité post-péage qui gagne sur Matissan pour arriver zone Gressier. Et pour après, est-ce qu'il y a une possibilité pour paysans, comme si Mdadjou, pour classe panneau en fonctionner? Sans complot. N'importe qui j'en prend un complot. Et c'est gang qui a toujours gagné avec les gars qui ont gagné gros loi. Et c'est ça qui est lié. N'est-ce pas confortable? Et puis nous comprenons. Mais c'est ça, oui. Effectivement. Et. Ne kap vann zam nan peyi a, tout pou nou konnen ke e blan sanksyonne nan peyi lan yo. Oui, Etats-Unis sanksyonne Renold Zib, li sanksyonne Sherif Abdallah, li sanksyonne Karl Brown, li sanksyonne plusieurs autres oligarques encore, li sanksyonne yo nan va venir tout pou et puis avec photo nèg yo accompagné. Et nèg sa yo sanksyonne pou trafic zam. Dossier nan te gen liste nan nèg lan. Mais est-ce que la justice haïtienne fò bagay? Non. Li pa ka fèl parce que juge yo volant, juge yo gang. Juge pas sérieux, juge pas honnête. Eh bien, si juge pas honnête, pas qu'il y ait un résultat. En avance, dans Maman Pemba, l'an pays poté, dans le cause pas pêche à l'an, en attendant, Jacques Reginald Boulos avait les têtes li, dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse. Li touye Jovenel Moïse pour l'argent. Boulos touye Jovenel pour l'argent. Ou pral tande l, dans une interview qu'il te gagne avec un média dans le pays d'Haïti. Mralel, il est extrêmement important pour nous tendre toute interview. OK? Pour nous tendre toute, je dis à Koul Boulos à vivre. Les États-Unis. Non, Boulos, pour que j'aime figurer dans le cadre de cet assassinat de Jovenel Moïse directement. Nous-mêmes, nous connaissons l'impliqué. Les connaissons l'impliqué. Mais la justice américaine, pourquoi mettons-le? La justice américaine, pas mettons-le. DCPJ, pas pépingle-le. Mais de fait, Boulos connaît l'entourage Jovenel, il n'y a pas qu'à mettre pied dans le pays d'Haïti. En avance. Pardon. Bonjour pour la population haïtienne. Et ça fait presque 13 mois que. Qui peut pour saluer Boulos? Je ne suis pas là. Et ma salue principalement militante MTV Haïti, mais aussi toute reste population haïtienne. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir. Que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester gardé ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Mmh. Encore une fois, bonjour à tous. Monsieur Boulos, docteur Boulos, là, ça fait environ 13 mois depuis le quitté pays. Ou qu'a rappelé nous dans quel contexte ou t'es quitté pays? Oui, et bonjour, moi quitté Haïti le 21 juin. Pour me devine participer le 23 juin dans un activité de collecte de. Tade oui. Mais qui date et que journaliste la te attaque moi, comme quoi que l'em dit Boulos quitte Haïti quelques jours avant assassinat président Jovenel, ou un journaliste en médias traditionnels dit que oui, ben toi, ben, nek sa réseau social, ben menti sous Boulos, avait dit moi que t'as ben menti sous Boulos, parce que me dit Boulos n'a touye président Jovenel. So qu'on est fait journaliste là, à attaque m'nan. L'em mène enquête, yo dit Beto, et pas pour qui pour. C'est plusieurs. Journaliste Boulos te fait te vend ti machine à crédit gen te fait cadeau et ben nek sa yo yo te ka manger même pour Boulos son équipe grand go équipe salope sale vicieux sans visage nek sa va pas attaquer moi peut-être c'est Boulos qui te bail ti machine grâce ta miséricorde est-ce que vous comprenez gros causé monsieur est-ce que vous comprenez mais c'est ça et qui t'a passé en dedans pays en dedans de non sans avec et nek troisième voie. Non. Mais vous connaissez ma bagay, pour nous être honnête et cohérent. Vous le connaissez le pas favori. Vous le connaissez, ça ne fait pas normal. Est-ce qu'on parle le sentir lui-même directement? Le sentir le capé pour ça le faire physiquement.
Vous parlez camper à distance? Qui est-ce que vous présentez Boulos qui fait tout intérêt Boulos comme si vous géré dans le pays d'Haïti? Politicien haïtien. Haïtien campé. Ça veut dire que le problème, non. Directement, il n'y a pas oligarque là, non? Ouais, oligarque là, c'est politicien qui bat le match de manœuvre là. C'est politicien qui kembe pays à Namel pour lui. Ouais, je dis, hein, de pour attaquer politicien dans dimension jusqu'à dernier retranchement, éradiquer yo, on garantit yo. Pas qu'on oligarque, j'aime capable de camper sous béton pour le dire la préposée tel bagaille, même dans rêve. Appelons inconnu. Même dans rêve, il n'est pas capable. Pas qu'une pièce dans le secteur privé, qu'on pense capable d'imposer, choix ou bien volonté ou dans rien. Il n'y a pas de politicien ça ou là. Et c'est chouette qu'on est. Tout a comporté un monde de bien. Et si nous voulons démissionner, nous faisons au bon monde. Démissionner, nous faisons au bon monde. N'a pas vu dans l'autre. N'a pas tourné sur ça. Mais on quitte M. Parler et puis on comprend plus. Ndade. Le fond que nous avons fait dans Miami pour diaspora, avec diaspora, pour parti MTV et pour campagne que nous avons fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Mm-hmm. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en pile monde t'es venu d'accord que Mateyoun n'a pas mis d'accord deux ou trois candidats majeurs importants qui t'a pris dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec diaspora, style town hall meeting dans Haiti Cultural Center. Et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'as retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça yo, les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens ont augmenté. Mais qui côté le commencer avec les propres têtes li? Parce que vérité a pas qu'à cacher. Assassinat Jovenel Moïse, il pas prêté comme ça. Boulot soit vienne payer. Il m'a quitté peuple attendre toute intervention là parce qu'il m'estime que li extrêmement important côté photo volo ça côté photo lié là faut me joindre en photo volo ça oui me gagne quelques photo là oui côté lié là original boubou oui mettez pied dans non tout oui et tellement pas nous pour ça ça pas pour nous même et original boubou moi photo volo ça parce qu'il a parlé là faut peuple là qui est-ce qui n'a parlé. Moi, si je n'en photo, voilà ça. Aïe, aïe. Moi, si je n'en photo, gang ça, qui a parlé, hein. Ouais, moi. Et, même je n'en ouais, ils ont gang, non. S'il a appelé gang, non, voilà ça, yo. Eh bien, n'est-ce pas, pi volo, qui est oligarque ça, yo. OK? Yo, pi volo, qui est oligarque ça, yo. Il est important pour nous tendre, et monsieur ça, yo. Écoutez, avant que mal plus loin, bam fait nous t'en un petit extrait dans ça parce que tendez ça oui faut tirer d'autres bagailles puis n'a comprendre mais nèg ça et puis pour la suite moi lagué vrai comment les vol au boubou attendez ça c'est pour tout côté pas ni lâche d'ailleurs petit faut pas ton nèg qui lâche si petit qui lâche les nous fin tuer des salines. OK, nous pas diviser pays en deux. Christophe a gouverné dans le droit comme un miracle. Petit on est même prendre le sud qui ça gagne, nous pas diviser, hein. Donc, fais le message à passer. Je ne parle avec l'autre. OK? N'a pris le corps nous ensemble et puis n'a pas le pays. Mais n'a chassé et puis n'a fait Haïti vivre clair même dans Saint-Domingue. N'a éliminé plus fort mon noyau et puis nous prenons le tirer ce qui était accouplé avec des milates et puis pour nous venir au pays à clair même genre avec Saint-Domingue. Attendez, oui. Bon monde sale ça, yo. C'est pour nous chasser. Je dis, il a éliminé plus fort mon noyau. On est reprenne pour ça l'obsal là encore. Attendez ça. Pour nous tout côté, pas de lâche. D'ailleurs, Pétion pas ton nègre qui lâche. Si Pétion te lâche, mais nous finissons tuer des salines. OK? Nous pas diviser le pays en deux. Christophe a gouverné dans le droit comme un miracle. Pétion est même prendre le sud. Qui ça gagne? Nous pas diriger. Hein? Donc, fais le message à passer. Je ne parle avec l'autre. OK? N'a pris le corps nous ensemble et puis n'a pas le pays. Mais n'a chassé et puis n'a fait Haïti vivre clair même dans Saint-Domingue. N'a pas éliminé plus fort mon noyau et puis nous prenons le tirer ce qui était accouplé avec des milates et puis pour nous venir au pays à clair même genre avec Saint-Domingue. Bon monde sale ça, yo. C'est pour nous chasser, c'est pour nous détruire. Yo. Ok? Pour nous faire, nous ne parlons pour nous faire aucun petit mal propre qui vient pour nous faire, nous prenons pour nous courir. Qu'est-ce que monsieur? Les gens disent nous bon monde sale ça, c'est pour nous détruire. Yo. Regarde nous monde sale ça, c'est pour nous foutre détruire. On regarde pour avec comme si avec voracité, avec une énergie tête chargée, assassiner Jovenel.
brutal. Yo dévoré monsieur, yo humilié monsieur, comme si ou rien n'a exprimé. Ça me fait peuple attendre. Après ça pour nous tourner sous boulot là. N'a pris comme nous ensemble et puis n'a prend pays. Mais n'a chassé et puis n'a fait Haïti vin clair même Jean Saint-Domingue. N'a éliminé plus fort mon noyau et puis nous pas fait tirer ce qui était accouplé avec des milates et puis pour nous venir au pays à te clair même genre avec Saint-Domingue. OK. Bonne monde sale ça yo. C'est pour chasser, c'est pour foutre détruire yo. OK. Pour nous peur. Nous pas gain pour nous peur. Aucun petit malpropre qui vient pour nous faire nous peur, pour nous courir, pour nous quitter le pays. Derrière toute richesse pays, c'est nous-mêmes nous payer. C'est nous qui avons banque, c'est nous qui avons l'hôpital, c'est nous qui faisons commerce, c'est nous qui avons tout ça pays pour gagner comme richesse là-dedans. Nous pas qu'à quitter ces petits vagabonds sales viennent pour nous détruire. C'est pour nous camper, pour nous défendre. D'ailleurs, yo même yo bien wash, nous même nous des âmes et nous font pas peur parler avec yo tout. D'ailleurs, yo fait connait que nous pas gain droit dans pays, c'est des salines qui t'ai goumé, m'a fait connait que pétion t'ai goumé tout et nous même nous c'est descendant pétion. Nous tient à ce que pour lutte n'a commencé. Pays ça n'a réduit ensemble. D'ailleurs, toute richesse nous fait dans le pays, c'est à l'étranger, nous voyons sérieux. D'ailleurs, nous sommes bien dans notre pays, nous sommes bien de tout partout, c'est pour ne pas faire gouma avec eux. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas présenter le visage, nous pouvons pour nous gouma ensemble avec eux. Nous payons même encore entre eux, parce que son bon petit grand goût, son bon petit chimère, son bon monde sale, avec quoi nous faisons, nous payons encore pour nous gouma entre eux, l'autre, et puis pour nous capables prendre contrôle du pays. Pays, c'est pour nous lier. D'ailleurs, c'est descendants français qui mourent qui quittent pour nous. C'est pour nous retourner en Afrique. Nous avons contrôle l'économie, nous avons contrôle le commerce, nous avons contrôle tout pays. C'est pour nous prendre contrôle politique et tout. Et d'ailleurs, la politique, c'est la force des âmes. Nous ne pouvons pas prendre âme. C'est pour nous gommer avec nous. Donc, on dit qu'il y a un du pays ensemble. On a commencé à voir tout petit point à l'étranger. On dit, allez, moi-même, je vais mettre arrêté. Parce que si je ne peux pas arrêter le pas bon, il faut me gommer avec eux tout. Parce que je ne peux pas parler de goût, mais là, il y a avec eux non. Avec comme moi, je suis un petit groupe, dans mes temps, je suis encore, je fais un goût avec propre tête jusqu'à ce que nous détruisons l'un après l'autre. Ok? D'ailleurs, les gens appartient à la terre d'Haïti. C'est africain, c'est pour retourner dans la terre d'Afrique. C'est côté d'un grand groupe, bon monde sale, bon salope, bon chimé. Jean pour faire l'argent d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'argent pour vivre. C'est nous-mêmes, nous clair qui a toute possibilité pour vivre. Nous avons plus besoin parce que nous. Parce que nous même pas petit mal, nous n'avons pas petit dire, nous avons mangé fallu au plein, c'est bagaille, elle fait petit. On va dans là, nous pas pour nous peur. D'ailleurs, bataille là, c'est pour nous lier tout. Nous avons plus de droits d'intérêt que nous-mêmes. D'ailleurs, nous sommes descendants directs de blancs français. Nous même c'est un Afrique qui était sorti, c'est un esclavage qui était là. On va dans là, nous pas pour nous peur. Et nous ne pouvons pas le camp en face pour nous gommer avec eux. Nous avons utilisé propre eux-mêmes. D'ailleurs, ça, quand l'école, nous déjà, où est comment acheter eux. On prend n'importe qui comme nous, on dit n'importe qui caca dans la télévision, dans la radio, où est le deal. On prend tout ça nous peur. C'est pour nous commencer à faire tête nous paraître. Nous avons Michel Martelly qui paraît, Michel Martelly qui paraît, nous gommer avec eux pendant 5 ans. Comment faire nous-mêmes nous peur? Pour ça nous peur? Ils veulent pour nous détruire nous, bon nous-mêmes qu'on y a, nous dans sang, nous dans bataille. C'est pour l'une faire l'autre message à passer quelque chose à côté nous, c'est descendre français nous, d'ailleurs la France campagne, nous dit la banne nous aide. Pour ça nous peur. Pour ça nous peur. Nous peur en 2004, nous étions chassés de vagabonds par Aristide là. Qui ça peut pas essayer de bombe nous délaguer sous cité soleil, nous foutons bombarder encore. Bombarder nous. Qui ça prend côté ça. Nous détruit cette taille pile sous pile la Pétionville là. Hein? Nous avons pour nous détruire ces zones. Nous avons des bombes sur nous. Et puis nous avons la peine. Nous avons des amis là. Donc, c'est pour nous faire un message à passer. Nous ne sommes pas supposés peur. Nous ne sommes pas supposés peur. Nous tous les Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas supposés peur. Nous tous les Jovenel Moïse. Nous n'avons pas besoin de courir quitter le pays. Nous avons des problèmes, monsieur. C'est calé, nous avons calé quoi nous. Côté photo sans avis. Bon, je cherche des photos. Et il y a un assassin, président Jovenel Moïse. Il y en a qui paye l'argent pour assassiner le président Jovenel. Il faut nous jouer une photo pour nous mettre sur l'écran là, parce que
et voler pas parler là parce que c'est important parce que m'a dit relé cabrit là dans non li relé chien dans non li parce que ça m'a fait deux bagaille qui chercher moun pour touyer moun et d'ailleurs dit c'est haïtien ou chercher pour touyer haïtien chercher haïtien pour éliminer haïtien comprenez moi et côté photo voler là bon dieu et côté photo voler là régional boubou voler gang sale terroriste assassin touyer président Jovenel. On met tout pour lui, on a peur de lui, parce que, et ben, et franchement, il y a grand monde qui a grand monde, il va rien attendre, il va foutre qu'il y a 10 ans sous tête encore là. Un petit lui a vu une pire, il dit un petit lui a pire grave passé, pire criminel passé. Il dit que faut que nous, et l'agent 5, non mais tout, l'agent on a, qui a mis dans le bas, vous comprenez? Et il faut l'État organiser lui pour que tout capa capa. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et en attendant, on a cherché photo avant de faire quitter voler à parler. Je pense que fin mois de juin, il y a un mandat d'arrêt illégal qui est lancé contre moi, avec aussi blocage fonds tout en pile dans l'entreprise, et moi-même personnellement. Et nous te prenons avocat immédiatement, M. Madistin, qui peut défendre nous et demander que le mandat d'arrêt ça n'a pas capable. Il n'y a pas de force. Donc, immédiatement que l'activité illégale, ça y est, d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça t'est venu obligé un petit peu, il était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat. Et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux. Avant nous venir, attendez, il pourrait s'en pile. Voilà ça, théoriste, ça a eu les boulots là, qui est depuis l'Haïti, 21 juin 2021. OK? Quelque chose. Parce que vous connaissez, vous pouvez assassiner le président, mais vous ne pouvez pas pour fly fait. Vous ne pouvez pas pour un tir fait. Parce que vous connaissez ça, Jovenel Moïse, qui a tout changé, parce que vous avez pris Jovenel non coup, 7 février 2021. Mais vous tout connaissez, si vous tentez, prend Jovenel Moïse non, comme si m'a dit non cou raté encore Jovenel ka tout en lion et le sa lion ça ka dévoré yo et le sa Jovenel a bien raison qu'on y a rassuré que il décide de faire un dernier coup et qu'on coup qui paraît à coucou on m'en comprend tout un coup qui paraît à coup pour que yo fina monsieur n'importe qui gens et après yo rassuré que yo pas quitter soufflant sur Jovenel avant de déplacer yo craser monsieur passer monsieur titou batitou. Yo krasé toute zone encore même si mon petit cal souffle t'arrêter mais un nouveau krasé monsieur quoi tape irréparable même si t'as franchement pas de moyen parce que son exécution yo rassuré que yo démoli yo tué et c'est ça Matéli Dimitri Ira Jean Laguel civil tout responsable sécurité président yo livre président pour l'argent. On est crasé, mais il met pas aujourd'hui, il met maintenant 15 ans, nous tout à payer. J'ai la guerre civile. Et où est-ce qu'on cache l'autre bois? J'ai la guerre civile, où est-ce qu'on cache l'autre bois? Je ne sais pas qui côté. Mais je dis, je ne sais pas qui cache. Et où est-ce qu'il y a qui entoure? Quand on cache l'autre bois? Quand on cache? Dans le bas. Et puis, on finit évadé quitter prison. Ou replier l'autre bois. L'État qu'on côtoie. La police qu'on côtoie. Et ou pas parito parce que ou te aide ou jeune possibilité pour retrouver président. De fait, yon gen pouvoir. Ou sous pouvoir ou. Continue sous pouvoir ou. En outant de Reginald Boulos, kapal de parler dans quatre dossiers assassinat Jovenel, kapal bade de témoignages comme si li pa laisse chercher un bagay, mais ki pa mélange piel. Se ou nan pati, monsieur touye Jovenel Moïse Poulé. Dossier 2 milliards 900 millions de gouttes qui n'ont pas brouté dans l'ONA. Comme ça, dans la Banque Centrale. Comme pour malheureux, malheureuse, t'as prêté dans l'ONA pour agrandir tes business. Yo. Mais c'est ça qui finit riche déjà dans le pays l'État. C'est eux qui prennent tout petit comme l'État pour s'aider. Bonjour pour la population haïtienne. Là. Et ça fait presque 13 mois que, depuis le dernier forum, tu es pas là avec nous. Et je salue principalement. Militants, militantes MTV Haïtio, mais aussi toute reste population haïtienne. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir
que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester gardé ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Encore une fois, bonjour à tous. David Conchezon. Monsieur Boulos, docteur Boulos, Sosunini, là, ça fait environ 13 mois depuis le quitté pays. Ou qu'a rappelé nous dans quel contexte ou t'es quitté pays? Oui, et bonjour, moi quitté Haïti le 21 juin. Pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que me t'as fait dans Miami pour diaspora, avec diaspora, pour parti MTV et pour campagne que me t'as fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en plus le monde t'es venu d'accord que Mateyoun n'a pas mis d'accord deux ou trois candidat majeur, important, qui t'a pris dans l'élection, ça. Moi, participé tout le 22 juin, moi, passé dans un meeting avec Diaspora, c'est le Town Hall Meeting dans Haiti Cultural Center, et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi, t'as pu tourner vers fin mois de juin. Pas oublier tout que, tout de suite après activité ça, les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens, c'était augmenté. Et me passer fin mois de juin, un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi, avec aussi blocage fonds toute en pile dans l'entreprise Mayo et moi-même personnellement. Et nous te prend avocat. Attendez, oui. Effectivement, la justice haïtienne t'est bloqué toute compte en banque Reginald Boulos. La justice haïtienne. Parce que vous avez gagné des preuves qui étaient par une provision légale pour vous faire. Et vous avez assassiné Jovenel Moïse le 6 pour 7 juillet. Moins qu'un mois après, même la justice ça, avec le doyen civil de Port-au-Prince, qui est Bernard Saint-Ville, il prend une décision de débloquer tout compte Boulos. Et le retire mandat d'arrêt qui était derrière Boulos là. Mais ça que pays d'Haïti a nèg yo tout yé Jovenel Moïse et puis on a qui ouvert l'état ba nèg yo meni immédiatement mettre ma distance dans Saint-Ville gang sale ça m'invite l'homme et mander que mandat d'arrêt ça pas capable il pas de force donc immédiatement que activité illégale ça yo d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'état contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique. Eh bien, ça t'est venu obligé, un petit peu, était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat. Et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux. Avant nous venir sur l'assassinat, président, oui. On va parler de Demelo qui a gagné avec ULCC. Oui, oui. Ok, oui, c'est dans le contexte ça que vous avez voué mandat et d'amener contre vous. Oui, en fait, l'ULCC te font mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Okay. Tout avocat qu'on parle avec eux dit que tout ça, l'ULCC te gagne à faire, c'est prendre dossier à voir dans le parquet. À la limite, le parquet te gagne à inviter, et ensuite, le parquet te gagne à demander où on prend le mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pas de mandat à émettre là, ou tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne pas rentrer encore parce que je me dis maintenant que l'avocat mieux agit contre un acte illégal qui était fait. Donc, comme acte là est illégal, je me dis que je ne pas quitter le problème dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu as jamais entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es jamais entré? Non. Et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé a annulé le mandat, a libéré les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juin, 8 juillet, bah, changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'est passé depuis le premier jour. Attendez, oui. Bernard Saint-Ville, qui est doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, littéral de présenter style doyen dans le tribunal civil de Port-au-Prince. Le la justice haïtienne d'apprendre une décision pour te mettre mandat de Boulos. Et puis, j'ai les tout au côté avec Boulos, ok, pour que les pas accès avec l'argent pour l'État, il est capable de contrôler les bagages pour ne pas payer l'argent qui est au volant dans l'ONA. Bernard Saint-Ville est là. Boulos financé
assassinat Jovenel Moïse, n'a exécuté président le 6 pour 7 juillet 2021, moins que, tenez bien oui, moins que 15 jours après assassinat président, président beaucoup même enterré même, la justice haïtienne a pris une décision pour débloquer contre Bak Boulos. Retirer mandat d'arrêt de Boulos. Mais ça paye. La justice paye un mandat pour tout le président paye. Nous finissons tout le président paye. Pendant que le président beaucoup même enterré même, la justice qui a préparé pour le clean, on s'est dévoilé que l'État a contrecarré. Mais ça paye. Et bien, nous avons dit que le pays a libéré. Si nous pas raser tout le capital, espace politique ça, jouer avec ça qui est là. Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos. Pardon? Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, face à ça, vous te reprochez. Écoutez, bon, me dis un petit bagaille. Mm-hmm. Si vous bagaille, vous reprochez, mais dans le tribunal, il m'a défendu tout. C'est pour ça que vous avez fait mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça, vous avez fait mandat contre vous, vous avez aller dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire mandat pendant que vous êtes dans la justice. Vous êtes dans la justice, qui est son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, t'es paré pour me défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est ton persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, bon, je vous dis, si nous voulons vous poser. Hein. En 2017, le directeur général de l'ONA a lancé un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le plus bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que l'heure pas fait ça, Cobra en grande partie c'est dans la Banque Centrale Lichita, l'a perdu valeur li et n'a pas rapporté yon goud intérêt. Donc, c'est, et la loi sur l'ONA te dit que l'ONA gagne pour le rentabiliser fonds li. Donc, yo lance son programme de placement dans des entreprises privées. Gagne pile entreprise privée qui recevoir placement ça yo, dont des entreprises du groupe Boulos. Et, nous respecter jusqu'au moment où, et jusqu'à aujourd'hui, nous respecter tout ça que, la loi t'a demandé nous faire. Et, faut pas imaginer pour qui raison que ULCC décidait d'investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre, et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 610 millions de goudes, 610 millions 2428 goudes. Mentor, volé. Pendant qu'il a gagoté comme l'ONA a distribué par homme politique, dernièrement, moi, ouais, que, bon, 2 milliards de gouttes que l'on a été prêté l'État, que le pageant m'a apporté. Nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 millions 402 000 gouttes by ONA entre l'heure où nous avons reçu un placement à jeudi. Bon, deuxième chiffre, Robinson. Jeudi, nous payons ONA chaque mois 22 425 000 gouttes chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versions 22 425 000 goudes. Ou qu'on qui blague yon baye sous l'ONA aujourd'hui, tant que Boulos pas payé, yon pas qu'à faire payroll. C'est comme nous baye chaque mois. Et nous pas jamais en retard sous 5 ans à Palme. Nous pas jamais en retard et yon jou. Travail, directeur ONA. Si ça m'a dit, c'est pas vrai, il te met une démentie. Okay. Deuxième, ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona, nous prenons. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privée avec elle. Nous construire des limats toujours. Mais nous fini des limats Delma 32. Nous construire building Nissan, que t'es venu bouler après. Nous bâillons travail. Nous construit centre de convention, puis gros centre de convention, Gena El Rancho. Nous bâillons presque 600 moun travail. Grâce à placement, ça, que on a fait pour nous. Et 600 moun, ça, lui-même, il vient cotiser dans ONA encore, qu'on y a. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement on a payé intérêt, on a payé côte part, et sous comme que on a. Pabli, pendant, autant de l'argent, ça, y'a gros l'argent. Parce que c'était 2 milliards 900 millions de goudes. OK? 2 milliards 900 millions de goudes. Que Boulos prend dans l'ONA, plus 1 million de dollars américains pour un projet construction série de Tikaï dans Fermat. Tout comme ça, on amène. N'est-ce que riche, c'est sous l'État riche.
Yo pas de gon coude, mais c'est l'État qui fait yo riche parce que yo contrôle l'État. Pour l'État, tout ça l'État gagne comme l'argent pour se yo qui gagne. En dedans de volant toujours. C'est la caille noire. Mais on a créé travail et moun sa kap travail là, yo pral bay cotisation dans ONA. Donc comment comprendre que subitement, une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage tout côté, et puis c'est yon nan groupe qui est respecté. Cap construit travail, cap maintenant, travail. Maintenant, qui le plus monsieur Boulos, travail. Docteur Boulos. Vous mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment là durée était zanmi ou qu'on a vinn pas zanmi encore, faut nous rappeler et parti ça et ou estimé yo instrumentaliser et ULCC. Mais ça t'a empêché que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait même si toute source ont évoqué là yo comme et retour et entreprise qui prêtait comme ou dirigé qui prêtait comme dans on a fait. Mais ça pas empêché que si on a voulu ouvrir enquête pour sur entreprise ça pour ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC t'était dit on a gain on a son entreprise gagote, on va investiguer tout ça qu'a fait dans on a. Il t'a ouvert les bras, il t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi mandé directeur ULCC publier liste tout monde qui prend quoi dans ONA, monde qui paye et monde qui pas payé. Et combien mois au terrain, yo pas jamais le faire. Tout juste je dis. Et encore sous radio là je dis, m'a demandé directeur ONA, bah liste tout monde qui joue un placement. Combien de cobbies retour, yo payé, combien yo pas payé. Moi, même pas cité, non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est lui seul y a investigué. Pendant que lui remet tout dossier m'sot ba ou yo là, et puis yon pas joué nan rien pour lui. Yon pas joué nan rien, yon pas joué nan rien, yon pas joué nan rien. Mais en y fait, yon mandat d'arrêt. Mais yon pas joué nan rien, yon joué nan rien. Moi, même t'es paré pour, et m'te dit yo ça. Voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC est supposé une institution qui a analysé. Si le jeune bagaille, il voit bah, la justice. Même pas qu'à lui-même, en même temps, tout le film investigué, ils sont là, son travail d'investigation, et puis le tourner qu'on y a un juge là, et puis il bah, les sanctions. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis, je vais ajouter dans le placement qui fait pour dans le boulot. Là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si je décide un jour, il n'y a pas de vignes au saisie Nissan, il n'y a pas de vignes au saisie Delima Tujo, il n'y a pas de vignes au saisie Alancho. Donc, je ne peux pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons tout côté, et puis nous ne pouvons jamais démêler, et puis c'est avec Ona, nous avons démêlé, je dis. Écoutez, monsieur, écoutez, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique. Et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes. Il y a assez de gagouettes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé, ouais, l'ULCC ouvrit une grosse enquête sur ONA. Sur qui s'accepte pendant 10 dernières années, yo, avec quoi ONA? Qui monde qui prend quoi? Qui monde qui pas jamais payé? Qui sénateur qui prend quoi? Qui député qui prend quoi? Qui entreprise secteur privé qui prend quoi? Qui monde qui prend quoi et pas jamais payé? Ça, m'a pas applaudi, m'a pas de bravo. Mais lorsque, pendant des mois, toute sa ULCC s'est fait, c'est des entreprises, d'un homme politique, qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire, de président et Jovenel, pas ONU, adversaire. Nous pas bien pendant cette année. Nous vivons adversaire politique, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que, c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice, que que 7 juillet, et PIA est stupéfait, et apprennent assassinat brutal la caille du président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment et terrible. Vous souhaitez qualifier crime de crime odieux. Mais dans la famille politique, et monsieur Moïse, il y a des monde clairement qui dit et yo longe doit sou comme auteur ou une commanditaire et crime ça et moi t'entendais des commentaires et fait sous ça. Ou vous voulez faire un commentaire sous ça ou pas monsieur Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, bon, je dis que je suis condamné de toute force. Assassinat odieux qui fait contre
président Jovenel Moïse. Assassinat, ça n'a pas mené pays à Pibouin, non, tout. Oh, il mène pays à loin. Il mène pays à loin. Mm-hmm. Et bon, pays à blanche, ou pas, j'aime t'en voir ça, et qu'a parlé dans date ça, qu'il a parlé là encore, comme si m'dajou, vivant, que Jovenel Moïse vini, bien que tout ça qu'il te dit, ou était là, nous toujours passé pour nous faire peuple attendre yo, mais, et ça, qu'on a besoin, objectif là, ou t'es besoin de reset pays à, ou assassiner président, il me secoue reset pays à, garçon. Il va bien formal, il va bien formal. L'assassinat, ça a mené pays à notre choubon. Soit assassinat qui fait quoi, contre un haïtien, soit assassinat qui fait comme un président de la République, soit assassinat qui fait la Kaeli de manière brutale, nous pas jamais. Parce que Reginald Boulos, MDV Haïti, nous n'avons toujours condamné, c'est la violence. Nous pas choisi de prendre la violence lors des effets combats politiques pour changer ce système-là. Nous te mettons en place yon, publiquement un instrument politique. Nous te mettons comme dehors. Donc, je ne crois pas que Reginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bonjour, Benjamin. Il y a faire 10 ans, m'a dit que m'a rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Crivea, le 7 juillet, et que m'a condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais il y a faire des années, m'a dit que ça m'a rien moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que je suis adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que je me rends un petit bagage. C'est pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir. Il a assassiné Hillary Clinton. Vous pensez que dit c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent. Et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moins Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, allez, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, ça. Que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça me t'aime, parce que c'est seul ça qui peut permettre de me lever, peut-être de dire, monsieur, nous, on te dit non, bah, rien, moi, non, bah, ça. Donc, et en quête, ça, me senti la piétiner, et me t'a souhaité que gouvernement, me t'a souhaité que international, qui a arrêté certains mondes, et qui, étrangement, me t'a dit, me t'a dit, mot là, qu'il faut, étrangement, dit que tout ça, va le présenter un tribunal, faut le rester caché. Non, même, faut que bagaille aurait été ouvri, pour peuple haïtien qu'on est, exactement ça qui passait cette juillet. Faut que tout ça qui a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, et aucune, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par gain personne monde que c'est dans justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec ou tant qu'on personne of interest ou bien tant qu'on témoin que tu as peut-être aidé éclairer yo dans l'investigation ou pas docteur Boulos. Bah jamais recevoir invitation FBI, bah jamais entendre parler de FBI. Je ne connais pas madame Koch, je ne connais pas docteur Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici, je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jean, par contre, on est du tout. Je ne connais pas M. Jarre, je ne connais pas M. Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais participé. Moulos pas contre Jarre, pas contre Madame Koch. La première fois que j'ai entendu Dr. Sanon, c'est l'heure, il a arrêté Dr. Sanon. Je n'ai pas entendu Samir Andal, même pas jamais rencontré. Dr. Sanon dit avec DCPJ, il dit avec magistrat Pétion, et comment il est, et J.D.P. Pétionville, et quelqu'un parle avec Boulos. L'idée de CPJ, l'aide ça ou l'écrit Boulos, c'est parce que qu'on parle déjà, qu'on planifie, qu'on chita, surtout dans quatre dossiers pour planification assassinat Jovenel. Et puis, ouais, monsieur a plaidé dans le niveau de la plaidé là, et qu'il n'y a pas qu'on a aidé assassinat Jovenel. Ouais, qu'on en l'air quand même. Qui m'ont c'est des bons dieux patrouillants. Et d'après ça, on comprend la justice en tout qui se prend décision pour lui. Moi, par un jour, j'ai rencontré monsieur Jarre, là, parce que grand pis Jarre en Haïti, pas oublié, c'est non, mais. Un groupe genre que m'd'acheter Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec M. Jassa, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Ça n'a pas été M. Rodolphe, genre. Je ne la connais pas.
je ne connais pas Monsieur Rodonja, je ne connais pas Madame Koch, je ne connais pas Monsieur Samir Randal, je ne connais pas Docteur Sano. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec le téléphone. Maintenant, il y a des mouns qui analysaient les événements du 7 et juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Donc, un coup d'État, et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont les bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont une lecture, ça. Après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée est autour de président, de, pardon, de Premier ministre Henry et serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous t'avons regardé et comment même on analyse la lecture, ça. Moi, je dis que, au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. Ou pas qu'à quitter ton pays dans l'anarchie. Ou pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement, qui était bien préprécisée et qui était capable, est-ce que, moi, je vous dis, tu as que ce qui dit, au pas bien. Est-ce que nous, qu'à vérifier? Non, 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 très bien. Bien. Oui, oui, très bien. D'accord, bien. Très bien. D'accord, ouais. Très bien. Mmh. OK. Maintenant, bon, dis-nous. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait trouver, il fallait être créatif, fonder loin, une solution qui te permette que rapidement, payer par des dégringoler dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous te parlons avec Dr. Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous t'es dit, on cherchait une solution qui est bon pour le pays. Et quoique, quelque part, nous t'es réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous t'es respecté. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez. Attendez, monsieur, pas cohérent dans ce que vous avez dit. Yo, qui pas voulait reconnaître que le mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, Jovenel Moïse lui dit comme ça qu'il voulait respecter dernier choix président qui c'était Ariel Henry, pendant que c'est eux-mêmes qui fait complot. Imposer président Ariel Henry le 5 juillet 2021, président accepté pour le faire, tout le pour le faire nomination. Arrêtez pour qu'on même sorti même, ok? Ampliation, absorti par le national pour monter comme président, Ariel pour qu'on même recevoir le même, n'a qu'il faut tout y être président. Mais je dis à M. Vindzouk que pendant que ça n'a pas accepté du tout, que président Jovenel Moïse doit pour le nommer premier ministre parce que tout ça fait égal madame fini tout bagaille oui mais l'accepter pour le dire ça en autant de monsieur toujours non volonté président Jovenel Moïse c'était mettre Ariel Henry comme premier ministre on respectait dernier volonté qui était petit de un jour qui était position sous oui. Fin mandat président 2021 bon nous connaît que moi-même j'ai toujours pensé que mandat président était fini 7 juillet 2021 Écoutez, c'est un débat que nous avons mais à la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou non, par rapport à ça, écoutez, c'était quand même un président en fonction. Mm-hmm. C'est un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel pas de voir le Parlement aller, et président Jovenel te cherché un accord dans ça que tu as cherché parce que t'es une grosse discussion soit faite, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire une balle dans le pied, le voyait par le mal aller. Donc, ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde, et puis une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel était un président en exercice. On peut avoir une différence, donc, avec une grosse différence d'opinion. Sous est-ce que c'est lui qui poutait là le ça? Est-ce que pas de gagner élection d'abord?
Est-ce que l'IPAN ou est sous toute sa tour de fer? Et il faut dire aussi que nous ne pouvons pas jouer nos solutions de remplacement. Okay. Mais on peut quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrons dans. Oui, moi je crois qu'en tant que président en fonction, il fallait respecter, dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé trois bagages pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'a dit entre guillemets légitimer président Ariel Henry Premier ministre et forme du que nous pas signé le 11 septembre, nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous t'ai voulu marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé encore. Mais il faut me dire mon bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'a appelé pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça. Ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui portait la paix, qui portait la prospérité, qui portait la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrivons ça, nous l'avons, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interromps pour, mais de fait, et plus oui. De 6 à 8 mois après, l'État est. Et particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat, que certains monde qualifie carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupe? Attendez. Nous pas occupé poste politique. Maintenant, bon, Dieu. Si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrit pour les ministres là. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec le groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas avoir rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections. L'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrième, songez à l'époque, ça, c'est qu'on problème migratoire avec la République dominicaine. Dans l'aide ça 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MDV lever, moi en pile mon abou est monté, et puis pour nous dire, bon, nous quitter à quoi? Et puis quoi? Non, au contraire. Plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, forme nous personnellement, et tout à l'heure, on va parler de ça, personnellement, moi, très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MDV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat, qui pas de résultat. Et m'a évoqué division qui en MDV sous ça. Parce que, au consacré, messieurs, je vais vous montrer fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut qu'on ait qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action, ça va pas faire. Et nous conscients de ça, nous pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, pas souhaiter ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en pouvoir? Non, tant de main. Bon, précisez pour vous. Bon, précisez pas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas dans un partage gâteau.
nous voulons partager responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le cas fait. Ça, c'est le premier samgadou. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner que nous dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. Mm-hmm. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Karl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec lui, on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais parlé avec lui, ok? Il a rencontré le docteur Karl François, vice-président du parti MDV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma baille MDV, son poste ma baille un cadre compétent de MDV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, okay. En pile militant. Donc, un second, Ben, attends. Laisse-moi finir cette précarité. Vous avez évoqué précarité, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. OK, s'il te plaît. OK. Et faut me faire effort pour me battre, parce que docteur m'a dit pour me battre stress, pour me faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas un problème de que docteur Karl François, parce que nous connaissons compétences docteur Karl François. Et nous encourager que docteur Karl François, je dis, en tant qu'un cadre MTV, lui fait ça pour le faire, pour le mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer, jouer MTV est arrivé au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. Nous encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec docteur Karl François sur gestion lui. On est capturé en tant que cadre, okay. Le cadre de MTV auquel on docteur, a offert. Docteur Boulos, parti ou la MTV, oui. Li toujours parti de accord en septembre, non? Et m'a répondu par la positive, mais m'a qualifié okay. Positif. Ok, attends. Avant qualifié positif, là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord. Et expérience gouvernance lancé échec ça Moussa soutenant bouche là tout à l'heure là et ou pas grand qu'une responsabilité MTV pas grand qu'une responsabilité c'est ça dit là dans ça mais écoutez me pense que non pas qu'à assumer responsabilité le non pas joindre et disons wall mon retenant non attends mais quittez-moi fini écoutez oui sortir à quoi avec quoi prêter responsabilité absolument pas ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord, ça qui fait là. Comment t'as pas pensé qu'on pratique en MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginal Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens-là, et nous t'as qu'à content que kidnapping a prolongé Peppa Saint-Jodia? Goud là fait 150 goud. Nous connaît tout ça peuple à manger. C'est importé, l'importé. Donc, chaque fois goud là prend valeur, c'est l'argent. La prix matière produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût dans à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retia, ça fait quoi, docteur Boulos? Retia Laden, ça fait quoi? Je vais aller voir nous là, exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valas, pour se mettre en accord avec PHTK, il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas. L'accord n'est pas pour Ariel Henry. L'accord, c'est pour tout le monde qui signale. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous avons un rôle encore. Côté, nous avons essayé d'avancer, faire avancer, pour que je dis à nous qu'il y ait une solution qui permette nous attaquer le problème de sécurité. Pardonnez-moi, docteur Boulos. Monsieur Balthazar, ben, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons dans l'espace ça. Et alors, m'estime que l'important pour nous détendre un extrait l'interview que tout ça, on va regarder sur l'écran. Un méchant, un criminel de grand chemin. Il y a le Boulos,
pour nous détendre l'intervention. Côté que la PC tente de défendre la tête, nous avons pour nous tourner sous lui, oui. Nous avons quoi sans aver. Nous avons parlé plus sous cause de ça. Dossier assassinat Jovenel Moïse, nous avons tout Jovenel, mais l'idée, aïe aïe aïe, messieurs, nous ne pouvons pas contre Karel. Bon Dieu béni chaque gun nanon qui t'a tendu et garde mission. Que bon Dieu béni Haïti. Moi, mais nous en pile. Kembe là.